Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Nous sommes ravis de vous recevoir pour cet entretien. Vous êtes un prêtre catholique connu pour une partie de notre communauté, notamment pour vos prises de position sur les réseaux sociaux. Vous n'hésitez pas à prendre des positions parfois politiques et qui peuvent faire polémique. Si vous êtes présent aujourd'hui dans ce fauteuil, c'est pour nous parler de ce livre qui sortira ce dimanche 3 décembre. Ce livre qui s'appelle « Le plus grand des combats » et qui sortira sur la plateforme www.plusgrandcombat.com. Donc ce livre, il se présente sous la forme d'un entretien dans lequel vous déblayez plusieurs sujets, vous revenez à la fois sur votre parcours personnel, mais c'est également un manuel pour les personnes qui cherchent à comprendre quel est le rôle du christianisme, du catholicisme aujourd'hui dans notre société. C'est un rapport justement à l'individu, au sens de Dieu. Et c'est un livre que nous conseillons chez Livre Noir pour toutes les personnes qui souhaitent s'intéresser au catholicisme et celles qui sont déjà catholiques et qui cherchent à en savoir un peu plus. Avant de commencer cet entretien, j'ai le plaisir de vous annoncer que le 8 décembre sortira notre nouveau magazine qui s'appelle « Une terre, deux peuples, vers la guerre civile en France », qui est un long travail pour lequel nous avons mené de multiples enquêtes dans des enclaves de France, on pourrait dire des enclaves étrangères à Marseille, à Roubaix. Nous sommes également partis dans ce que nous appelons l'islam, l'Europe des mosquées, c'est-à-dire jusqu'à Amsterdam, Berlin et Roubaix. C'est un travail que nous avons également réalisé avec des personnes, des renseignements qui nous ont livré leur prospective, leur analyse sur la situation sécuritaire française dans les années à venir et sur les possibilités ou non d'une guerre civile. Alors n'hésitez pas à précommander ce magazine qui est le fruit d'un long travail de la rédaction en vous rendant sur notre site www.livrenoir.fr. Merci à tous ceux qui vont nous soutenir. Monsieur l'abbé, conformément à la tradition de cette émission, nous allons commencer par une citation. Pour vous, j'ai choisi un slogan de mai 68. Je cite « Même si Dieu existait, il faudrait le supprimer ». Qu'est-ce que cela vous évoque ? Ça m'évoque l'orgueil de l'individualisme moderne. Dire si Dieu exister, il faudrait le supprimer, c'est l'homme qui veut se faire Dieu. Et finalement, c'est une espèce de confession de mai 68, de l'esprit de mai 68. L'homme qui enivré par les techniques, par la modernité, par le confort qui se répand dans les sociétés, dans la société française, et donc plus généralement occidentale, eh bien, l'homme se prend pour Dieu. Et veut se faire Dieu à la place de Dieu. Ce qui d'ailleurs est exactement le péché de Lucifer, qui est le plus beau des anges et qui se révolte contre Dieu et devient le démon dans la théologie catholique. Donc oui, c'est une phrase, je pense, bien choisie et qui invite à réfléchir justement sur l'esprit de mai 68. C'est que c'est pas simplement la libération des mœurs, etc., mais il y a vraiment un programme philosophique et théologique qui n'a pas été explicité par les penseurs de mai 68, et qui aujourd'hui peut-être se révèle, se dévoile avec les conséquences de mai 68. Justement, dans votre livre, on commence tout de suite, vous parlez d'une double génération sacrifiée. Et vous évoquez notamment le fait que la deuxième ne veut pas se résoudre. Vous employez ces termes à justement cette absence de Dieu, à ce nihilisme. Pourquoi est-ce que vous employez ces mots ? Qu'est-ce qu'elle a de différent, cette deuxième génération ? Eh bien, je pense que cette deuxième génération, donc je dirais les jeunes qui ont entre 18 et 30 ans, 35 ans, a fait l'expérience de la libéralisation des mœurs, il est interdit d'interdire, de jouir sans entrave, et en a été gavé. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui se rendent compte que cette espèce d'idéal hédoniste qui avait été rêvé par la génération de mai 68 était non seulement une illusion, mais un mensonge. Et que finalement, on leur a promis que tout le monde serait heureux et qu'on allait jouir sans entrave, etc. Et finalement, ils en ont souffert. Ce sont ceux qui en souffrent. En particulier,
tous les enfants de parents divorcés, en particulier ceux qui voient la France se déliter au niveau culturel, au niveau social, ceux qui voient aussi les limites des promesses économiques, parce que aussi bien dans les années dans les 30 glorieuses, jusqu'à l'an 2000, on pouvait rêver d'une France économique qui promettait des jours magnifiques et heureux. Et aujourd'hui, c'est terminé, ça. C'est-à-dire que les jeunes... Et alors, d'autant plus, les plus jeunes qui ont vécu la crise du Covid, qui, du jour au lendemain, en fait, les belles promesses de liberté et de découverte du monde, le monde était à leur portée, tous les plaisirs étaient immédiatement accessibles, et bien, du jour au lendemain, en fait, tout s'est arrêté, et on leur a dit, en fait, pas du tout. Si on veut vous empêcher de jouir, eh bien, en fait, c'est nous qui décidons. Donc, en fait, une espèce de nous supra-humain, dont on ne sait pas tellement qui l'a prononcé. Mais il y a cette idée, je pense que beaucoup de jeunes se sont réveillés d'un coup en disant c'était un mensonge. C'était un mensonge. Et en fait, le programme, comme je disais, le programme hédoniste de mai 68 était un mensonge. Donc peut-être que la génération précédente, ceux de mai 68, y ont cru, mais le prix qu'ils ont décidé de payer, non seulement pour eux-mêmes, mais on va dire c'était leur choix, mais aussi pour les générations suivantes, eh bien, ces générations suivantes leur demandent des comptes et leur disent « mais en fait, vous avez coupé nos racines ». Vous avez scié la branche de l'arbre sur lequel des générations entières s'étaient constituées, et maintenant, on n'a plus rien. Donc, votre désir de jouissance, d'individualisme, justement, cet homme qui se fait Dieu, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, en fait, vous nous en faites payer le prix. Et donc, je pense qu'il y a un vrai mouvement aujourd'hui chez cette génération, cette jeunesse désemparée, déboussolée, déracinée, qui dit stop et qui veut retrouver les choses importantes de la vie, c'est-à-dire l'éternité. Et chose que les générations de mai 68, de cette seconde partie du XXe siècle, avait prétendu supprimer de l'existence humaine. Et à ce titre, est-ce que c'est justement le rôle de l'Église aujourd'hui d'offrir cette éternité à ces jeunes générations? Quel est son rôle aujourd'hui, sa place? Je pense que le rôle de l'Église, c'est le même rôle depuis 2000 ans, tout simplement. C'est d'annoncer, d'enseigner ce que le Christ lui-même est venu révéler il y a 2000 ans. Et un prêtre est un bon prêtre lorsqu'il n'ajoute rien de lui-même, lorsqu'il ne fait que transmettre. Et l'Église n'est dans son rôle que lorsqu'elle est dans cette situation de transmission, et qu'elle l'assume, quel qu'en soit le prix. Alors, toutes les compromissions actuelles, malheureusement, que l'on voit à droite ou à gauche dans l'Église, que ce soit des compromissions d'ailleurs avec l'argent, que ce soit des compromissions avec l'esprit du monde sur les questions morales, que ce soit des compromissions doctrinales pour sous prétexte de fraternité avec d'autres religions, etc. Enfin, il y a plein de compromissions possibles. Eh bien, elle détourne l'Église de son rôle d'évangélisation, c'est-à-dire de son rôle d'annoncer ce que le Christ est venu nous annoncer. Et en une phrase, je peux me lancer dans un grand sermon, mais qu'est-ce que le Christ est venu nous révéler? Il est venu nous enseigner que nous étions faits pour l'amour de Dieu. Ici-bas déjà, et surtout un amour de Dieu qui s'accomplit dans l'éternité. Et cette révélation, c'est ça, principalement avec toutes les conséquences que ça a, et toute la structure de la doctrine chrétienne que l'Église doit enseigner, et dont les jeunes sont en recherche, que les jeunes recherchent aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont plus, beaucoup en tout cas, n'ont plus cette structure, cette ossature intérieure qui a constitué l'homme occidental, l'homme chrétien, et donc la civilisation dont nous sommes les fruits depuis 2000 ans. Et justement, dans le livre, c'est assez présent lorsqu'on le lit, c'est-à-dire que, on sent que vous parlez pour la France, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension d'enracinement, cette dimension de continuité, et en quoi justement ce livre il est pertinent pour cette génération française qui veut s'enraciner? Quel est son message à cette génération française d'enraciner? Je me permets de préciser qu'il y a une dimension un peu culturelle, j'ai l'impression aussi, lorsqu'on vous lit. Oui, il y a une dimension culturelle. Et d'ailleurs,
certaines personnes me le reprochent, me l'ont reproché, en me disant, oui, le christianisme, c'est pas un moyen, c'est une finalité. Je suis tout à fait d'accord. L'union avec le Christ, c'est une finalité, qui est une finalité individuelle. Mais comment l'Église a prêché le Christ depuis 2000 ans ? Eh bien, justement, en agissant sur les structures sociales, sur sur le monde. C'est une erreur, du point de vue catholique, c'est une erreur philosophique de penser, ce qu'on appelle le libéralisme, au sens du libéralisme philosophique, de penser que la religion serait une question intérieure et individuelle. La religion n'est pas... Elle est évidemment une question intérieure, mais elle n'est pas que ça, elle n'est pas que individuelle. Il y a une dimension sociale et même civilisationnelle dans la religion, dans la religion catholique. Et c'est ce que l'histoire nous enseigne, depuis l'empereur Constantin, qui, par sa conversion en 312 au christianisme, fonde les États, le Vatican, installe l'Église dans l'Empire romain, jusqu'à la conversion de Clovis, évidemment, en 496. Clovis, qui devient le premier roi de France, par quel acte ? Par sa conversion, et donc par la confession de la foi catholique. Pour qu'il y ait un peuple, pour qu'il y ait une civilisation, il faut une religion. C'est une constante de l'histoire. Les seuls cas où il n'y avait pas de religion, c'était des idéologies tellement absurdes qu'en fait, elles ont consisté à massacrer des millions de personnes. Donc, je ne pense pas que ce soit un modèle de société. En tout cas, c'est pas le modèle occidental. Et donc, il nous faut une religion. Et en fait, si la société actuelle se délite et sombre dans le chaos, c'est parce qu'elle n'a plus ce principe d'unification qui dépasse les individus. Et on le voit bien aujourd'hui avec tous les événements qui semblent s'accélérer. On a l'impression que chaque jour la France disparaît un peu plus, la paix disparaît un peu plus, et le bien-être individuel, mais aussi la culture, on a l'impression que tout s'écroule continuellement, et bien de jour en jour. Et bien la seule solution, c'est de retrouver un principe unificateur qui soit supérieur, c'est-à-dire qu'il soit transcendant, qui transcende les individus, qui transcende les intérêts et qui transcende le temps et l'espace. Et donc, il faut que ce soit un principe religieux. Donc, je ne dis pas que le but de la religion, c'est de faire une culture. Bien sûr que non, c'est pas ça. Le but de la religion, c'est de sauver les hommes et d'aller au ciel, comme je l'ai dit en commençant. Mais la culture et la civilisation chrétienne, c'est le moyen de réaliser cette relation individuelle, intime avec Dieu, et par les conditions nécessaires pour que cette relation avec Dieu se réalise, à savoir la paix, d'abord, la paix sociale, et un certain bien-être qui fait qu'on ne risque pas tous les jours de se faire égorger en sortant de chez soi, ou qu'on n'est pas exploité par l'un ou l'autre, par des intérêts idéologiques, médiatiques, économiques, etc. Donc, nier la dimension culturelle de la foi chrétienne n'est pas conforme à la façon d'agir, qu'a eu l'Église d'agir depuis 2000 ans. J'ai cité Clovis, mais on pourrait citer aussi Charlemagne, on pourrait... Vous parlez de l'histoire dans votre livre. Oui, parce que l'histoire, évidemment, doit nous servir d'enseignement. Et comme je le disais, être chrétien, c'est pas inventer des nouvelles solutions et avoir une solution magique à des choses nouvelles ou aux problèmes actuels. C'est rester fidèle à ce que le Christ nous a enseigné. Et quand on est catholique, par opposition aux protestants d'ailleurs, quand on est catholique, on croit que l'Église catholique n'est pas simplement une institution humaine. L'Église catholique, c'est la société à la fois humaine et divine qui nous permet d'accéder à l'enseignement divin. Et donc, la façon qu'a eu l'Église, selon laquelle l'Église a agi pendant des siècles, fait partie de la révélation. On dit... Encore, je ne veux pas rentrer dans des discussions théologiques, mais pour un catholique, la révélation de Dieu aux hommes a deux sources, enfin une source double plutôt, la Sainte Écriture et la tradition de l'Église, c'est-à-dire les enseignements des premiers pères de l'Église, des apôtres évidemment, des premiers théologiens, des premiers évêques, et puis tout ce que l'Église a fait, la constance de l'enseignement de l'Église pendant les siècles. Et donc, il ne s'agit pas de dire « Dieu ne nous a pas donné un livre » en disant « Ouvrez le livre, et puis débrouillez-vous et interprétez chacun ce que vous voulez. » Ce qui serait plutôt la position des protestants. Donc, le catholique
s'appuie sur la sagesse de l'Église, la sagesse du passé, pour savoir comment agir. Et précisément sur cette question culturelle, ce qu'a fait l'Église, ce qu'ont fait les grands saints, ce qu'ont fait les papes au cours des siècles, c'est de civiliser le monde entier. Nous sommes en France, nous aussi, à un moment, on a été civilisés par les Romains, et on a reçu le christianisme. Alors évidemment, ce sont des choses complexes, c'est pas comme si le pape envoyait des civilisateurs, mais ce sont des jeux complexes de l'histoire qui ont fait que eh bien, la France est devenue chrétienne, et puis ensuite, par les colonies, que ce soit les Espagnols, les Portugais ou les Français, eh bien, le christianisme s'est répandu dans le monde, et c'est ce modèle qu'il faut évidemment suivre, en étant convaincu que le modèle de civilisation chrétienne, ce n'est pas un modèle parmi d'autres. C'est le modèle, disons, suprême de la civilisation humaine. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui se rend accessible par des structures sociales ou politiques aux hommes de tous les temps, de tous les lieux, de tous les pays, de toutes les cultures, en respectant leur culture, mais en corrigeant ce qu'il y a d'imparfait ou de mauvais même, et en surélevant ces cultures vers le divin. Une des plus-values de ce livre, c'était que vous ayez une dimension personnelle, c'est-à-dire que vous parlez de vous, vous racontez également votre enfance, vous parlez de votre famille, et j'ai extrait plusieurs phrases, et il y en a notamment une qui m'a intéressé, c'est-à-dire que vous dites « Je suis peu enclin à croire au miracle », et vous nous parlez de votre tempérament rationnel. Est-ce que vous pourriez réagir à cela ? Oui, alors j'avoue que on a dû me convaincre et argumenter pour que j'ajoute cette dimension effectivement biographique dans l'ouvrage. Mais effectivement, je pense que ça peut toucher certaines personnes. A priori, je n'aime pas trop les témoignages, parce que justement, je suis très rationnel, et quand j'entends quelqu'un me raconter sa vie, ça m'intéresse, et j'essaie de m'intéresser aux gens, hein, surtout comme prêtre, c'est bon. La plupart du temps, je ne fais que écouter des gens et m'intéresser à leur vie. Mais en général, je ne raconte pas trop la mienne, ou j'évite. Parce que précisément, ce qui touche les intelligences, ce n'est pas d'abord le témoignage d'une expérience individuelle, ce sont d'abord les arguments rationnels. En gros, l'amour, ça ne se transmet pas. On peut dire « j'aime telle personne », mais c'est parce que vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un d'aimer la même personne. Alors que ce qui est de l'ordre intellectuel peut se transmettre par des arguments, en montrant, en justifiant, en argumentant, etc. Donc, je pense que la foi, surtout la foi catholique, c'est une foi qui est raisonnable. Évidemment, elle n'est pas rationnelle dans le sens où elle ne peut pas se démontrer par des expériences chimiques ou par des équations mathématiques, on n'est pas dans ce domaine-là. Et puis, elle ne peut pas non plus... Il y a une dimension, évidemment, de mystère. Lorsqu'on parle de la Trinité, de l'incarnation, évidemment, ce sont des mystères qui dépassent l'intelligence humaine. Donc, on ne peut pas démontrer ces vérités de la foi. Ça, c'est sûr, elles sont révélées. Voilà pourquoi, je parlais de révélation, voilà pourquoi Dieu s'adresse aux hommes, parce que les hommes n'ont pas... L'intelligence humaine n'est pas capable de découvrir par elle-même ces mystères des relations entre de la nature divine et des relations entre Dieu et l'homme. Mais néanmoins, notre foi, elle est raisonnable. C'est toute l'œuvre de la théologie catholique depuis saint Augustin au 5e siècle, en passant par Boèce, enfin, je ne vais pas faire une liste de théologiens, mais saint Thomas d'Aquin, évidemment, saint Albert le Grand, et puis tous les grands théologiens de l'époque classique, du 19e, du début du 20e siècle, il y avait cette idée que, en fait, ce qu'on appelle l'apologétique, il faut rendre compte de notre foi et montrer que croire n'est pas absurde. Non seulement c'est pas absurde, mais c'est tout à fait raisonnable, et c'est même très intelligent. Même si il y a une dimension de se jeter dans... Enfin, faire confiance à Dieu, c'est une dimension de confiance, et donc d'amour, qui là doit être individuelle. Évidemment, on ne peut pas donner la foi à quelqu'un. On peut lui démontrer la rationalité de la foi, le caractère raisonnable de nos croyances, mais la foi reste un acte de confiance en Dieu, donc d'amour, qui doit nécessairement être individuel. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que le témoignage de l'amour, c'est peut-être très beau et très sensible, et on peut pleurer en écoutant quelqu'un raconter sa conversion, en se disant « c'est magnifique, Dieu a touché le cœur de cette personne, etc. » Mais ça ne va pas me convaincre. Celui qui n'a pas la foi, il dira toujours « c'est ton expérience, je n'ai pas fait la même expérience, donc... Voilà, donc, ça pour dire que, quand je dis « je suis assez peu enclin à croire au miracle », c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que je ne suis pas
disons, très sensible, c'est mon caractère, c'est... il y a d'autres qui sont beaucoup plus sensibles, mais les, si vous voulez, les belles histoires, ça ne me touche pas spécialement. Je préfère les arguments rationnels, raisonnables. Sans doute, moi j'ai commencé mes études par faire des mathématiques, et j'ai fait 5 ans d'études des mathématiques. Je travaille sur la logique mathématique, la théorie des ensembles, des choses comme ça. Donc voilà, c'est mon caractère. Mais voilà, je pense que la foi chrétienne souffre un peu de ce côté très démonstratif des sentiments et d'un trop fort sentimentalisme. Je ne nie pas qu'il y ait des sentiments dans la foi, évidemment. Moi-même, j'ai rencontré Jésus-Christ, je peux le dire, à titre personnel. Mais c'est mon histoire personnelle. Et je ne prétends pas que cette expérience personnelle puisse convaincre quiconque. Parce qu'elle est personnelle, justement. Et à ce titre, justement, comment est-ce que vous arriveriez à convaincre quelqu'un sur la raison d'être catholique ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'apologétique. C'est-à-dire, on peut démontrer, on peut argumenter. Alors, il y a un certain nombre de points qui peuvent être démontrés vraiment rationnellement. L'existence de Dieu, contrairement à ce que beaucoup disent, l'existence de Dieu n'est pas une croyance. C'est-à-dire que je ne crois pas en Dieu. C'est un peu choquant peut-être de dire ça, mais je ne crois pas en Dieu. D'ailleurs, dans le credo, dans la confession de la foi, bien sûr, on dit « je crois en Dieu », mais on dit « je crois en Dieu le Père », ensuite le Fils et le Saint-Esprit. Le domaine de la croyance, de la foi, commence lorsqu'on parle de la nature intime de Dieu, c'est-à-dire la Trinité, qui effectivement n'est pas accessible à l'intelligence humaine. Mais l'existence de Dieu, sans savoir encore qui c'est évidemment, mais l'existence de Dieu, c'est quelque chose qui peut être démontré par la raison. Et alors, ça donne lieu à beaucoup de discussions, parce que certains prétendent qu'on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, ou même qu'on peut démontrer que Dieu n'existe pas, mais on peut répondre à ces arguments. Et il y a des arguments, et moi je suis convaincu, de la même façon qu'un théorème mathématique peut être démontré, il y a des gens qui vont dire peut-être non, la démonstration est fausse, ça ne fonctionne pas, donc démontrons, calculons. Et voilà, donc l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme aussi, le fait que nous soyons des êtres complexes, des animaux dotés de capacités particulières, spirituelles, capables de comprendre et d'aimer, capables d'atteindre l'universel, ça ce sont des choses qui prouvent qu'on a un esprit, en nous, qui est fait pour l'éternité, qui est fait pour les choses universelles et qui ne changent pas, et donc qui est immortel, ça c'est quelque chose qui peut être prouvé par la raison. Alors, ensuite, la foi nous enseigne qu'il y a un jugement sur le bien et le mal qu'on a commis, sur notre amour de Dieu, et qu'après la mort, il y a un jugement particulier, puis le jugement général, puis l'enfer, le purgatoire, le paradis, ça c'est la foi, ça c'est la révélation, ça on a besoin qu'on nous l'enseigne, que le Christ nous l'ait révélé, et que des générations de chrétiens nous les transmis fidèlement par l'Église jusqu'à toucher tous les hommes qui ont accès à cette révélation. Mais vous voyez, il faut faire une distinction entre les choses qui sont de l'ordre rationnel et les choses qui sont du domaine de la foi. Donc je pense et malheureusement, il y a eu tout un courant dans l'Église depuis les années 60 qui a prétendu qu'il fallait abandonner toute cette partie apologétique et qu'il fallait transformer, enfin disons, qu'il fallait insister davantage sur le témoignage, sur l'expérience personnelle, parce que ce qu'on a appelé le modernisme en particulier au début du XXe siècle, qui avait été condamné par le pape Saint Pie X, puis par d'autres papes par la suite, qui réduisait la foi à une expérience vitale, un sentiment intérieur de recherche de Dieu. Mais ça, c'est dans la doctrine catholique, c'est une erreur. J'aimerais justement qu'on aborde ces thématiques de Vatican II, du rapport au progrès de l'Église. Justement, c'est un paradoxe aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que nous sommes dans une société où le progrès est quand même globalement vu comme quelque chose de positif. Et pourtant, l'Église qui aujourd'hui est justement dans une plus grande dynamique, c'est celle des traditionalistes. Comment est-ce que vous expliquez cela ? La question du progrès, c'est une vaste question, et je pense que il y a une ambiguïté dès le départ sur la notion de progrès. Qu'est-ce qu'on appelle un progrès et qui décide que quelque chose est un progrès ? Est-ce que le fait de pouvoir aller s'acheter des enfants à l'étranger, est-ce que c'est un progrès ? Je ne pense pas.
Je pense que c'est un mensonge de dire ça. Et que c'est une manipulation, d'ailleurs, des médias et de certains idéologues. Je ne pense pas que ce soit un progrès. Est-ce que le fait qu'il n'y ait plus d'identité de patrie, mais qu'on vive dans un vaste magma où des gens d'un tas de cultures différentes, de croyances différentes, soient mélangés, et que l'homme soit livré à lui-même comme un individu, un atome sans structure, sans contexte et sans société, sans peuple, sans terre, est-ce que c'est un progrès ? Je ne pense pas. Qui a décidé que c'était un progrès ? Est-ce que le fait qu'on puisse voyager, aller visiter... j'habite à Rome, on voit des foules de Chinois qui viennent passer 48 heures à Rome. Est-ce que c'est un progrès de pouvoir aller à droite, à gauche, à travers le monde ? Je ne suis pas du tout persuadé. Bon. Donc, je pense qu'il y a une ambiguïté. Ensuite, le progrès comme technique, évidemment, c'est autre chose. Bien sûr, le fait de pouvoir construire des choses, d'aller plus loin, d'aller plus vite, en soi, c'est un progrès, puisque on a une meilleure, l'homme a une maîtrise plus grande sur la nature, sur la technique, sur les technologies, etc. Donc, de fait, c'est un progrès au niveau scientifique, au niveau de la connaissance, au niveau de la maîtrise humaine. Mais, là encore, il faut lire les grands philosophes, les grands penseurs du progrès, critiques du progrès. Gunther Anders, c'est L'obsolescence de l'homme, c'est un livre magnifique des années 30, je pense des années 30, où il expose cette ambiguïté du progrès, et encore il parle du progrès des machines, etc. S'il voyait le monde d'aujourd'hui, je pense qu'il serait effrayé. Mais et alors... La réflexion est toute simple. Hein, il y a aussi évidemment Jacques Ellul, tous ces penseurs de l'ambiguïté du progrès, en disant finalement tous ces progrès techniques, ils sont comme quelque chose de divin entre les mains de l'homme et qui peut être utilisé aussi bien pour les plus belles des choses, pour les plus grandes des choses, que pour les choses les plus dramatiques et les plus barbares. Et ça, c'est une réflexion philosophique qui remonte à la nuit des temps. C'est Protagoras, dans le Platon de Protagoras, on trouve ce mythe d'Épiméthée et de Prométhée. Donc Prométhée qui donne à l'homme, qui va voler aux dieux, à Héphaïstos et à Athéna, le feu, qui est symbole de la technique, et qui le donne à l'homme. Et il s'ensuit des guerres et des massacres. Et donc, Zeus intervient pour donner la prudence et la sagesse aux hommes. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de divin. C'est cela que signifie le mythe. C'est que c'est quelque chose de divin qui a été donné par les dieux aux hommes, par Dieu aux hommes, et que l'homme, d'une certaine façon, soit peut l'utiliser pour le bien, soit peut l'utiliser pour le pire. Donc voilà, il y a toute cette réflexion autour du progrès qui est une très ancienne réflexion philosophique et qu'il faudrait sans doute reprendre, réassumer et cesser de présenter le progrès comme un absolu, comme si nécessairement on avançait vers le mieux, ce que j'appelle le mythe du progrès. Mmh. C'est-à-dire, soi-disant, l'homme, plus le temps passe, plus l'homme avance vers le bien, vers le meilleur. Je pense que c'est une pétition de principe. C'est un dogme de la modernité qui n'a jamais été démontré et qui, je pense, est même assez faux. Il y a des penseurs, il faut lire aussi, comment s'appelle-t-il, Olivier Rey, évidemment, c'est très intéressant, ses réflexions sur la quantité, sur le fait que, je parlais de transport tout à l'heure, on peut aller plus loin, plus vite, mais est-ce que ça nous apporte plus au niveau de notre humanité ? On est devenu dépendant de la voiture, et celui qui n'a pas de voiture, en fait, il n'a plus accès aux choses basiques auxquelles ses ancêtres avaient accès autour de chez eux. Donc il y a toute une réflexion. On pourrait parler évidemment des réseaux sociaux. C'est pas parce que j'ai plein d'amis sur Facebook ou sur Instagram que je suis plus heureux, même au contraire, peut-être. Donc je pense que les hommes doivent revenir, replonger dans ces méditations, enfin dans ces réflexions en tout cas. Et se méfier de cet absolu du progrès, qui nous mène vers, à mon avis, quelque chose qui est tout à fait opposé au progrès réel de l'humanité.
c'est-à-dire le bien. Pour poursuivre justement cette notion de progrès, c'est abordé aussi dans votre livre, il y a une dimension de projection dans le rôle de l'Église. Quel rôle elle devrait tenir dans la France, quel rôle elle doit assumer. Et justement, c'est sur la question de l'écologie. C'est-à-dire, est-ce que l'Église, elle a un rôle, justement, en prenant en compte cette notion de progrès, est-ce qu'elle a un rôle de mesure, est-ce qu'elle a un rôle à affirmer dans l'écologie? Dans toute cette discussion actuelle sur l'écologie, moi, ce qui me frappe le plus, vous me direz, c'est logique, mais c'est que on ne parle pas de Dieu. Alors, évidemment, j'imagine assez mal l'ONU ou la COP 28 faire des déclarations sur la Terre comme création divine. Mais moi, c'est ce que j'ai appris comme dans mon enfance au catéchisme, que la Terre, c'était la création de Dieu, donc qu'on devait respecter la Terre, qu'on devait respecter les animaux, qu'on ne pouvait pas faire souffrir les animaux, qu'on ne pouvait pas exploiter les choses, ne serait-ce que quand, si vous avez fait du scoutisme, on vous apprend qu'en fait, on n'abat pas n'importe quelle arbre, n'importe comment, simplement parce qu'on veut se construire une table, mais on ne peut abattre que les arbres qui ont été, enfin, que celui qui gère le lieu, la forêt, a désigné, etc. Ce sont des petites choses, mais qui me semblent tout à fait basiques, et qui sont ancrés justement dans cette croyance fondamentale d'un Dieu créateur. Si la Terre n'est qu'une ressource, alors vous aurez beau faire toutes les copes que vous voulez, il y aura toujours des gens qui vont l'exploiter et qui vont... Alors, en plus, ils vont déguiser ça sous l'espèce de... Voilà, c'est comme les éoliennes, on vous fait croire que c'est super, parce que... Et en fait, on défigure les paysages, on détruit des fonds marins. Je suis très opposé aux éoliennes en baie de Saint-Brieuc. Ouais. Non, parce que c'est... Quand on lit les chiffres, quand on voit l'intérêt de ces projets, Et en plus, sous couvert d'écologie et d'écologisme, etc., c'est un pur scandale financier, politique, en plus qui dépend de l'Europe. C'est une compagnie espagnole qui est venue planter des centaines de millions de tonnes de mètres cubes de béton, en détruisant la faune et la flore, évidemment, sous-marine. Ça détruit les paysages, et les paysages, ça me semble être... Maintenir un paysage me semble plus important que de répondre aux intérêts économiques, sous couvert d'écologie, de compagnies, de multinationales, etc. Donc, voilà, je pense que ma position, c'est qu'il faut réintroduire la Terre comme création dans le débat écologique et que ça changera tout. Ça changera tout. Voilà, je pense qu'il y a aussi une grande manipulation sur la question écologique qui sert à déguiser, à masquer d'autres problèmes et à mettre une certaine pression aussi sur les hommes, sur la jeunesse, sur les générations à venir. C'est un moyen aussi de maîtrise politique des peuples. Hein, les peuples qui vivent sous la terreur et dans l'anxiété, eh bien, sont beaucoup plus manipulables. Mmh. Et est-ce que pour autant, certaines personnes de l'écologie n'ont pas remplacé justement Dieu, le Christ, par Gaïa, par justement cette entité? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça le nouveau Dieu? Ah bah si, bien sûr. Il y a certains courants, il y a même certaines religions, effectivement, certaines religiosités plutôt, qui ont fait de Gaïa, donc la Terre, une espèce de divinité qui réclamerait des sacrifices, qui réclamerait un culte, qui réclamerait qu'on l'honore, etc. Et même qu'on détruise ses opposants. Voilà, mais bon... On pourrait mener toute une réflexion, effectivement, sur bon, non seulement sur cette... Il y a des peuplades qui ont qui vénèrent la terre comme divinité, la Pachamama, on avait parlé, qui sont profondément antichrétiennes, parce que la terre n'est pas une divinité, la terre c'est une création de Dieu. Et ensuite, il y a tous ceux qui exploitent ces espèces de religiosités. Sans doute qui ont une légitimité dans quelques peuplades en Amazonie ou que sais-je. Il y a tous ceux qui exploitent cela pour en faire un instrument idéologique et un instrument politique. Est-ce que, pour autant, on va dire cette destruction de l'Église, ce changement après Vatican II, il n'est pas simplement aussi le fruit de l'Église elle-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, toutes les personnes qui sont
paradoxalement anti-chrétiens, ne sont pas aussi issus d'un certain christianisme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une posture chrétienne en soi qui serait d'une charité absolue sans prendre en compte d'autres valeurs. Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Il y a cette fameuse phrase de Chesterton, non, c'est la modernité, oui. C'est les vertus chrétiennes devenues folles. Exactement. Parce que désordonnées et séparées les unes des autres. Voilà, exactement, parce qu'elles sont désordonnées, séparées les unes des autres. Elles manquent de ce principe unificateur qui est Dieu, dont on parlait au début. Alors, effectivement, oui, plusieurs idées me viennent en tête pour vous répondre. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de soi-disant, des gauchistes, mais des gens qui sont soi-disant opposés au christianisme, qui le méprisent en tout cas, qui méprisent les identités chrétiennes, la foi catholique, l'existence de Dieu, la morale, etc. Mais qui en fait ne se rendent pas compte qu'ils sont eux-mêmes le fruit du christianisme. L'attention aux autres, le fait de se dire en fait, je ne vais pas exploiter la terre pour mon profit, pour quelle raison ? En fait, je pense que le monde post-chrétien est chrétien sans le savoir. La notion du respect de l'autre, de l'amour du prochain, du respect du prochain, du respect de la terre, etc. Ce sont des notions chrétiennes. Et que le christianisme a inséré, a développé, a fait mûrir dans la société occidentale. Le wokisme, peut-être en soi, cette notion de repentance peut venir aussi d'une morale chrétienne. Pour l'instant, je parlais d'une espèce de christianisme inconscient, même de ceux qui prétendent le combattre. Mais il y a un autre aspect, effectivement, qui sont les vertus chrétiennes qui ont été défigurées, qui ont été poussées à l'extrême, dans un sens ou dans l'autre, soit pour servir des idéologies. Le fait de l'égalité entre les hommes aux yeux de Dieu, ça c'est un enseignement chrétien. Le traduire en termes socialistes, dans le sens où tout le monde doit être égal et on doit voler l'argent des plus riches pour le donner aux plus pauvres et empêcher toute initiative individuelle et que l'État doit maintenir à tout prix cette égalité, cet égalitarisme absolu, ça a eu lieu dans le socialisme ou le bolchevisme, etc. C'est une déformation, peut-être d'une idée qui était bonne au départ, et une déformation terrible et dramatique. Le wokisme, effectivement, c'est peut-être ça, le fait de dire il faut respecter chacun. Est-ce que le respect, il va jusqu'au fait jusqu'à accepter toutes les folies les plus absurdes, comme une mère qui dirait je veux éduquer mon enfant pour le bien, lui faire apprendre par lui-même, ce qui est tout à fait légitime et noble de la part d'une mère de famille, parce que le fait d'imposer les choses de l'extérieur, ça marchera quelques secondes et puis ensuite ça ne fonctionnera pas. Mais est-ce que d'ici à laisser l'enfant mettre les mains dans le feu et aller en mer sans savoir nager, est-ce que ce serait raisonnable ? Non. Effectivement, toute la vertu dans la morale chrétienne, la vertu, c'est un sommet entre deux excès. La vertu, ce n'est pas l'opposé de quelque chose. Donc, pour toute vertu, comme une montagne, quoi, c'est le sommet, en fait, on peut tomber d'un côté par excès ou de l'autre côté par défaut. Et donc, effectivement, à partir du moment où les vertus chrétiennes ont perdu leur sens et leur visée surnaturelle, eh bien, elles dégénèrent et elles foncent dans le mur, quoi. Elles arrivent à des absurdités et à des drames et à des elles participent finalement à la destruction de l'homme plutôt qu'à sa construction et à sa perfection. Justement, là, on parle de vertu, j'aimerais parler de valeur, c'est-à-dire que dans votre livre, vous abordez justement la notion de virilité, qui est une notion que vous conseillez du coup au catholicisme. Est-ce que vous pourriez justement en parler un peu plus ? Parce que dans le catholicisme, on a justement cette image épinale de « il faut tendre l'autre joue », une notion de pardon, et un rapport à la violence spécifique. Alors justement, est-ce que vous pourriez expliquer comment est-ce qu'on peut être viril dans le catholicisme ? Alors, effectivement, déjà je veux justifier cette expression de virilité chrétienne. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'image du chrétien,
et du catholique, c'est celui qui n'a aucune conviction, qui est prêt à tous les compromis pour se faire bien voir, et qui finalement sombre dans une espèce de relativisme absolu. Comme dit un ami religieux, il dit dans une soirée mondaine, on reconnaît tout de suite les catholiques, c'est celui qui n'a d'avis sur rien et qui est d'accord avec tout le monde. Et je pense que c'est complètement contraire à l'enseignement du Christ. S'il y a bien quelqu'un qui a été viril dans le sens où il a assumé ses positions, c'est bien le Christ. Il est allé jusqu'à accepter de mourir, se faire tuer, même donner sa vie pour rester fidèle à ce qu'il était venu enseigner. Tous les apôtres, qui étaient les premiers disciples, sont tous morts martyrs. Toute l'histoire du christianisme, c'est l'histoire de gens qui ont donné leur vie pour rester fidèles à leur croyance, pour rester fidèles à l'enseignement de la foi. Donc c'est tout le contraire de la mauviette ou du traître ou du libéral qui accepte tout et qui est prêt à tous les compromis. C'est absolument incompatible avec la foi chrétienne. Donc, et je pense que c'est la grande faiblesse du christianisme aujourd'hui et du catholicisme en France. C'est la grande trahison depuis plus de 50 ans maintenant, où en fait, les chrétiens, les prêtres dans les homélies, malheureusement, et même les évêques, n'ont plus à la bouche que le mot de tolérance. La tolérance, ça n'apparaît jamais dans l'Évangile. Jésus n'est pas du tout tolérant. Où est-ce que Jésus est tolérant? Il n'est jamais tolérant. Toute l'histoire de l'Ancien Testament, encore moins, n'est pas plus intolérant que le peuple hébreu dans l'Ancien Testament. Dieu n'est pas du tout tolérant. Dieu exige qu'on lui rende un culte, qu'on respecte, qu'on obéisse à ses commandements et qu'on l'aime. Alors évidemment, il nous laisse libres. Mais la liberté, elle a un prix. Et cette liberté, elle est une exigence. Donc j'en reviens à votre question. Alors déjà, parenthèse pour les journalistes de Libération, etc. Qu'on salue. Voilà, exactement. Quand je parle de catholicisme viril, ça ne veut pas du tout dire avoir des gros muscles, des tatouages et taper sur les gens. C'est pas du tout ça. Il suffit de réfléchir un tout petit peu. La virilité, c'est la virilité de la vertu. Parce que pour moi, l'homme viril, donc qui est vraiment un homme, c'est l'homme qui est vertueux. Il ne s'agit pas d'être costaud et d'avoir le crâne rasé. Hein. Ça n'a rien à voir avec la virilité, ça. La virilité, c'est la virilité du caractère. C'est-à-dire vivre véritablement comme homme, dans la perfection, dans l'épanouissement de notre humanité, c'est-à-dire des vertus humaines. Et paradoxalement, encore une fois, pour les féministes, lorsque je parle de virilité, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors, on me dira, c'est absurde, mais je m'inspire là-dessus de cette expression qu'on attribue à Sainte Thérèse d'Avila, cette grande réformatrice du Carmel, en Espagne, puis même en France, etc., au XVIe siècle, qui dit, on lui attribue cette phrase, elle dit « Mes filles, soyez des hommes ». Voilà, parce qu'il partait fonder une communauté là, à droite, à gauche, etc., avec les moyens de l'époque. Et donc, elle leur disait « Soyez des hommes voilà. ». Il n'y avait rien à voir avec le transgenre et les LGBT, mais ça voulait dire « Soyez virils » dans le sens « Soyez des femmes, pleinement femmes, avec les vertus féminines qui correspondent à la nature humaine ». Donc, voilà, cette parenthèse étant fermée. Pour répondre à votre question très précise sur la question de la violence, je pense que tendre la joue gauche quand on t'a frappé sur la joue droite, il faut une grande force d'âme pour savoir le faire. Celui qui le fait par faiblesse, c'est pas un chrétien. C'est juste un faible, juste un nul. Celui qui le fait par force d'âme, c'est là où il est chrétien, c'est là où il ressemble au Christ. Le Christ lui-même, au Jardin des Oliviers, quand il se fait arrêter, Saint-Pierre sort son épée, et coupe l'oreille d'ailleurs d'un soldat romain. Le Christ guérit miraculeusement, instantanément, le soldat romain. Il dit à Saint-Pierre, celui qui vint par l'épée, périra par l'épée, ce qui n'est pas d'ailleurs une condamnation de l'armée ou de... Puisque quelques phrases avant, il avait dit à Saint-Pierre, il avait dit aux apôtres que ceux qui ont des glaives les prennent. Donc, mais le Christ dit à Saint-Pierre, ne penses-tu pas que si je voulais, je demanderais, mon Père du ciel enverrait une légion d'anges pour écraser mes ennemis. Donc la mort du Christ sur la croix, ce n'est pas du tout une faiblesse. C'est, au contraire, c'est une victoire. C'est une maîtrise de ce qu'il est venu réaliser dans le monde. Évidemment, il est venu nous enseigner
la valeur du sacrifice, la valeur du don de soi, la valeur même de la souffrance et de la mort. Ça, c'est la grande nouveauté du christianisme. C'est que dans la souffrance et la mort, si elle est vécue en union avec le Christ, eh bien, ça a une valeur et ça peut sauver, ça peut servir pour le salut de son âme et le salut du monde aussi. Donc, si vous voulez, le fait de ne pas céder à l'escalade de la violence, c'est nécessite une grande vertu que seul le christianisme peut nous enseigner. Parce que le christianisme, c'est Dieu qui intervient dans le monde. Donc, et puis on peut prendre des exemples très simples, c'est-à-dire que, oui, si quelqu'un me fait du mal, celui qui n'est pas chrétien, eh bien, va répondre en faisant encore plus mal. Et on arrive dans une espèce d'escalade de la violence qui n'a pas de fin, et de laquelle il est de plus en plus difficile de sortir. Encore une fois, le fait de ne pas céder à la violence, c'est profondément chrétien, mais ce ne doit jamais être par faiblesse, ni par compromission. Pourquoi ? Parce que le pardon nécessite la justice. Le pardon ne consiste pas à fermer les yeux sur le mal. Le Christ ne dit pas « Non, non, mais laissez-les faire, laissez-les me crucifier, c'est très bien, ça se passe très bien. » Au contraire, il dit « Mon Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais il accuse le mal. D'ailleurs, quand le Christ lui-même se prend une baffe pendant son procès devant Ponce Pilate, il y a un soldat, un des grands prêtres juifs, enfin, ou un membre de enfin, quelqu'un qui lui donne une baffe, le Christ lui dit pas du tout « Donne-moi une deuxième ». Il lui dit « Pourquoi me frappes-tu si tu n'as pas de motif pourquoi me frappes-tu » Enfin, il l'accuse, il dénonce le mal qu'il est en train de commettre. L'amour du prochain, le désir de la paix et le fait de ne pas céder aux pulsions de violence nécessite que la justice soit faite, c'est-à-dire que le mal soit dénoncé. Sinon, le chrétien, ce serait quelqu'un qui est indifférent au mal. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier le mal qui a été fait. Autrement, ça voudrait dire l'indifférence au mal. C'est pas du tout ça que le christianisme nous enseigne, ni que le Christ a enseigné. Donc, le pardon, c'est sans doute la valeur, j'allais dire, mais la vertu, la miséricorde, c'est une vertu qui est très exigeante, parce qu'elle nécessite une maîtrise de soi. Mais, encore une fois, elle ne peut jamais être une indifférence, une faiblesse, ou encore moins une culpabilité et une compromission avec le mal. Mais est-ce que cette dénonciation du mal peut s'accompagner d'une action également ? C'est-à-dire, est-ce que le catholique doit rester dans une posture de dénonciation du mal, ou est-ce qu'il a aussi le droit d'agir sur ce qui se passe ? Non, mais il faut qu'il agisse. Celui qui regarde de loin en disant « c'est mal », c'est pas chrétien. C'est-à-dire que, là encore, si vous voyez quelqu'un se faire agresser dans la rue, et que vous invoquez votre soi-disant christianisme, votre pseudo-christianisme, pour dire « ah ben non, moi j'interviens pas, il a qu'à se faire, il a qu'à attendre l'autre joue ». Mais le Christ n'a jamais dit ça. Enfin, ce serait un scandale. Ce serait une honte, c'est pas du tout ça le christianisme. Enfin, c'est absurde. Donc, le chrétien qui voit quelqu'un, surtout quelqu'un de plus faible, un pauvre, un enfant, une femme, se faire agresser, il a le devoir d'aller défendre les plus faibles. Le Christ, c'est exactement ce qu'il fait, il nous enseigne qu'il faut défendre les plus faibles contre les méchants, contre ceux qui font du mal. Donc, il dit jamais, si vous voyez quelqu'un se faire agresser dans la rue, bah, dites-lui, non, non, mais accepte encore de prendre une autre baffe. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Donc, il faut agir. Oui, bien sûr, il faut agir. Il faut prendre les moyens d'agir. D'où, je reviens à la question du départ, d'où l'importance d'avoir une société chrétienne et une culture chrétienne et même une politique chrétienne. Parce que c'est pas à chacun d'aller se venger ou d'aller faire la police dans son quartier. C'est le rôle de l'État. C'est le rôle de la politique. Politique au sens noble. Effectivement, quand ceux qui ont la charge de la paix sociale, de la justice, de punir les méchants, ne le font pas, alors on arrive dans une situation de chaos, d'anarchie, parce que c'est à chacun d'aller se protéger, protéger les plus faibles, se défendre et punir les coupables. Donc, si cette situation d'anarchie
n'est rien d'autre que la conséquence de la trahison, de l'incapacité de ceux qui ont la charge du bien politique, du bien social. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais bien sûr, le catholique doit agir en politique d'abord, comme je disais, parce qu'il faut d'abord, c'est d'abord la responsabilité du politique. Pourriez-vous développer cette idée de politique chrétienne, justement ? La politique chrétienne, alors, que je sois clair là encore pour les mauvais coucheurs, c'est pas à un prêtre d'aller dire il faut voter pour un tel ou il faut faire ceci ou cela. On m'a accusé sur Wikipédia, c'est marqué que j'ai fait la campagne d'Éric Zemmour. C'est complètement délirant. c'est complètement faux. Mais je pense que c'est le rôle d'un prêtre et le rôle de l'Église de donner les directions à suivre, de dire ce qui est bien et ce qui est mal, de dire ce qu'un chrétien peut faire, ce qu'un chrétien surtout ne peut pas faire, et de dire ce qui est bien au point de vue de la morale et de la foi, ce qui est bien pour les individus comme pour les sociétés. Ce qu'on appelle la doctrine du Christ-Roi, qui est une constante de tout l'enseignement de l'Église pendant des siècles, tout le christianisme, et qui a été, disons, formalisé en particulier par le pape Pie XI dans une encyclique célèbre de 1925 sur le Christ-Roi, où il dit que le modèle social que défend l'Église, c'est que le Christ soit, et donc son enseignement, soit le roi, donc ce qui guide non seulement les individus, mais aussi les sociétés. Donc il y a une politique chrétienne, qui peut s'appliquer dans un tas de régimes différents. Il peut y avoir une démocratie qui applique les principes chrétiens, il peut y avoir une monarchie qui applique les principes chrétiens. Ça, c'est pas à l'Église de dire, selon les peuples, selon les traditions, selon les histoires, il y a différents régimes qui conviennent à différents peuples et différents lieux. Mais quel que soit le régime, eh bien, il a le devoir de respecter et de faire respecter la morale chrétienne et de favoriser le développement de la foi chrétienne chez les sujets. C'est ça qu'on appelle la chrétienté. Donc il n'y a pas de confusion des pouvoirs, il ne s'agit pas de mêler de confondre le spirituel et le temporel, ce qu'on appelle la fameuse théorie des deux glaives chez le pape Boniface VIII au Moyen-Âge, mais il n'y a pas de confusion entre le spirituel et le temporel, mais il y a une influence, évidemment, parce qu'on ne peut pas avoir une vie temporelle, sociale, civile, qui serait complètement détachée de la destinée éternelle des hommes qui est d'aller au ciel. Donc il faut une influence qui reste extérieure. Donc le pape n'a pas à prendre des décisions politiques dans un pays ou à dire le pape n'est pas le supérieur du roi de France ou de tel ou tel souverain. Donc il est supérieur à lui dans le domaine spirituel. Donc il peut effectivement éventuellement le corriger ou lui donner des indications pour ce qui est du domaine de la foi. Justement, sur cette question du pape qui fait polémique aujourd'hui dans l'Église, notamment chez les traditionalistes, quel doit être le rapport du chrétien au pape ? Est-ce qu'il a le droit d'être en désaccord total avec lui ? Est-ce qu'il peut dire que le pape dit quelque chose de faux ? Quels sont ses droits aux chrétiens par rapport au pape ? Je ne parlerai pas de droit, je parlerai plutôt de devoir. Le devoir du chrétien, c'est premièrement d'aimer le pape, comme on aime son père et sa mère. Ce n'est pas parce qu'il y a un commandement de Dieu qui nous dit « tu aimeras ton père et ta mère, tu honoreras ton père et ta mère », ça ne veut pas dire que n'importe quel père ou mère fait tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est toujours bien. Donc évidemment, un pape peut se tromper. Évidemment, un pape peut dire n'importe quoi, peut même être un mauvais pape. Oui, un pape peut être un mauvais pape. Dans l'histoire, il y a eu des mauvais papes dans différents domaines, dans différents sujets, etc. Donc, évidemment, un catholique, c'est pas une idéologie d'être catholique, c'est pas un parti politique, on doit suivre le grand gourou ou le maître ou l'autorité du pape, c'est une autorité évidemment qui est confiée par Dieu, mais il y a des papes qui peuvent mal utiliser cette autorité. Comme le Christ lui-même a choisi 12 apôtres, et parmi les 12, il y en a un quand même qui l'a trahi et qui est Judas. Donc le fait qu'un pape puisse trahir le combat de la foi, enfin
la fidélité à l'enseignement de la foi, c'est tout à fait possible. Je prends souvent, parce qu'il y a sur les réseaux sociaux, tout un espèce de courant qui s'appelle plus ou moins, qu'on appelle cédévacantistes, donc ceux qui disent qu'en fait le siège est vacant, c'est-à-dire que en fait le pape serait un usurpateur, ne serait pas le vrai pape. C'est absurde. Le fait d'être pape, c'est d'avoir été désigné, élu par les cardinaux. Donc personne ne le met en cause. Donc voilà. Mais moi, je prends souvent cet exemple. C'est pas parce que votre père est alcoolique, est un voleur, enfin je sais pas quoi, et qui bat sa femme, c'est pas pour ça que ce n'est plus votre père. Vous devez être capable. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il faut être capable de dénoncer le mal. De dénoncer le mal, c'est-à-dire de dire à son père, de dire que ce qu'il fait est mal, éventuellement même de lui dire à lui, et même éventuellement de l'empêcher d'agir. Parfois, un enfant voit son père qui bat sa mère, oui, il doit essayer d'intervenir pour l'empêcher, évidemment. Mais ça n'empêche pas le respect, et ça n'empêche pas le pardon aussi, après coup, s'il s'est repenti, s'il a demandé pardon lui-même, et s'il regrette le mal qu'il a fait. Mais, voilà, donc le fait de dire « c'est pas mon père », ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, ça, c'était des généralités. Maintenant, sur la question particulière du pape François, déjà, on vit dans un monde hyper médiatisé, vous le savez mieux que moi, dans lequel on prend des phrases, on en fait des absolus. C'est un pape, en plus, qui est... Ouais, qui parle beaucoup, donne son avis sur un tas de choses, sans qu'on sache réellement quelle est la valeur d'autorité de ces déclarations, ce qui n'était pas du tout le cas des papes précédents, surtout plus on remonte dans le temps. C'est-à-dire qu'autrefois, le pape il s'adressait aux chrétiens par des encycliques, une fois tous les deux ou trois ans. C'était sur un sujet précis où il y avait... D'ailleurs, il s'adressait d'abord aux évêques. En général, les encycliques étaient adressées à les frères évêques, les cardinaux, les évêques dans le monde, pour qu'ils insistent sur tel point, sur telle vérité de la foi. Donc le pape s'adressait rarement au monde. Son rôle était d'abord de prier et de transmettre, de veiller au dépôt de la foi, à protéger le dépôt de la foi. Aujourd'hui, alors depuis le pape Pie XII, on peut remonter aux années 50, le pape est devenu un personnage public qu'on voit, qui parle, qui s'adresse aux gens immédiatement. Et je pense que avec le pape François, on est arrivé vraiment au bout de cette figure. J'espère que le prochain pape ne passera plus jamais à la télé. Et il va arrêter de s'adresser aux gens. Le rôle du pape, c'est de protéger le dépôt de la foi, de veiller à l'orthodoxie des autres évêques, et que la foi se transmette véritablement telle qu'elle est au peuple chrétien. Le rôle du pape, c'est pas de donner son avis tous les jours, trois fois par semaine, sur la guerre, sur le... Ah oui, la guerre, c'est mal. Bon, il y a des gens qui souffrent. Bon, voilà. Parce qu'en fait, cette espèce de libération de la parole du pape fait que plus personne n'écoute ce que dit le pape. Donc, la rareté crée la valeur, évidemment. Donc, si j'étais pape, ça n'arrivera jamais, mais je souhaite que le prochain pape redonne la valeur à la parole pontificale en restant en retrait de l'immédiateté des choses, des événements, etc. Voilà. Ça regroupe un peu ce qu'on disait la question précédente, c'est qu'il faut que l'Église retrouve l'éternité. Je pense que d'ailleurs, les prêtres dans les homélies du dimanche qui parlent des migrants, qui parlent de je sais pas quoi, des tremblements de terre et des guerres, et qui se sentent obligés de donner leur avis, si vous voulez, c'est pas ça le rôle du prêtre. Le rôle du prêtre, c'est de parler de l'éternité, de parler de Dieu. Et c'est ça qui va réattirer les jeunes dans les églises. Et la grande erreur de certains membres du clergé, de certains courants du clergé en tout cas, c'est de croire qu'il faut s'adapter au monde, plaire au monde, pour séduire. Et c'est pas du tout l'attitude du Christ. Encore une fois, le Christ, non seulement il n'a pas cherché à séduire, mais il a même fini mort sur une croix, tellement ce qu'il avait à dire n'a pas été reçu par ceux qui auraient dû le recevoir. Donc,
Il faut sortir de cette perspective, de cette attitude de séduction en se disant, pour faire venir les jeunes, on va faire des boîtes de nuit dans les églises, on va faire un goûter à la fin de la messe, on va se déguiser, on va jouer de la guitare, on va faire du spectacle, etc. Ça, c'est complètement absurde. Ça fait perdre le sens même de la religion. Si vous voulez aller en boîte de nuit, vous n'allez pas à l'église, quoi. Vous allez dans une boîte de nuit, tout simplement. Voilà. Donc il faut que l'Église retrouve ce qu'elle a toujours fait dans le passé, c'est-à-dire enseigner des choses que personne d'autre n'enseigne. C'est-à-dire parler de Dieu, parler du Christ, parler des sacrements, parler de la sanctification, parler du bien et du mal, parler de l'enfer et du paradis, parler de choses éternelles, immobiles, immuables, des choses qui transcendantes, parler des anges et des saints, des choses dont on ne parle pas à la télé, quoi. Dans votre livre, pour les jeunes qui veulent se renseigner sur le catholicisme, vous conseillez de ne pas commencer par l'Ancien Testament. Pourquoi cela ? Ben, parce que dans le livre, en fait, je réponds beaucoup à des questions qu'on me pose souvent sur les réseaux sociaux. Et par quoi commencer, du coup ? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de jeunes, des milliers de jeunes. Depuis 2 ans que je suis sur Instagram, franchement, j'ai dû répondre à plusieurs milliers de messages de jeunes qui me disent « je veux devenir chrétien, je veux être baptisé, je veux retourner à l'église, je veux retrouver la foi de mes grands-parents, souvent que mes parents ne m'ont pas transmis. » Et tous ces jeunes, donc, ils me posent un tas de questions. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous allés à l'église, mais j'essaie de les orienter, en tout cas. Parmi ces questions, il y en a beaucoup qui disent « je veux devenir chrétien, donc quelle Bible je dois acheter ?» Ou alors « j'ai acheté une Bible ». Sauf que n'importe quelle personne qui a acheté une Bible aura fait la même expérience. C'est-à-dire que bon, si vous commencez par l'Ancien Testament, vous commencez par la Genèse, à la création du monde, ça c'est joli, c'est beau, on connaît un peu ça, etc. Et puis ensuite vous avez Noé, Abraham, Moïse, et puis ensuite vous avez l'Exode avec l'histoire du peuple hébreu. Donc ça c'est il y a des passages qui sont un peu longs et un peu compliqués à comprendre, mais ça reste accessible. Et puis ensuite, tout l'Ancien Testament, il y a des livres, le Livre des Nombres, le Deutéronome, ce sont des centaines de pages de lois données par Dieu au peuple hébreu, selon les tribus, pour savoir comment ils doivent sacrifier, ce que doit faire le prêtre, comment ils doivent se comporter, ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils ne doivent pas manger, etc. C'est insupportable à lire. Et puis ensuite, même dans les livres spirituels, encore les psaumes, c'est très nourrissant, je conseille la lecture des psaumes, parce que c'est très beau, mais vous avez par exemple le livre des proverbes, alors chaque phrase est très belle, mais vous avez des centaines et des centaines de phrases comme ça. Ensuite, les livres historiques, les livres des rois, les livres de Samuel, les livres de Josué, etc., c'est des livres qui racontent des événements historiques, des batailles, des meurtres, des viols, des choses, on se demande ce que ça fait là. Donc, et puis ensuite les prophètes. Alors, ce sont des images, c'est très difficile d'accès. Surtout que, quand on est catholique, quand on est chrétien, on pense qu'on ne peut comprendre l'Ancien Testament qu'à la lumière du Nouveau Testament. Parce que c'est le Christ qui est venu révéler que finalement, toutes ces histoires, aussi sordides soient-elles, n'étaient qu'une annonce, qu'une image d'une réalité spirituelle qui est réalisée par le Christ dans l'Église. Donc, et que, évidemment, ce n'est pas un enseignement à suivre, à prendre au pied de la lettre, comme ça. Donc, et puis, quant aux prophéties, évidemment, elles ne sont compréhensibles que par le Christ qui réalise ce qui était annoncé par les prophètes. Donc, moi, ce que je conseille à quelqu'un qui veut retrouver la foi, c'est, premièrement, d'étudier le catéchisme de l'Église catholique. Ce que je disais tout à l'heure, c'est Jésus n'a pas écrit un livre. Dieu ne nous a pas donné un bouquin. Ça, c'est dans l'islam. Pour l'islam, Dieu a écrit un livre qui s'appelle le Coran, en disant, voilà, maintenant, vous avez un livre. Pour un catholique, Dieu n'a pas donné un livre. Il a inspiré des auteurs pour qu'ils écrivent eux-mêmes des choses qui ont des significations qui ne peuvent être comprises que selon l'enseignement de l'Église. Donc, il faut d'abord étudier le catéchisme de l'Église catholique. Il y a différents catéchismes, il y a des catéchismes pour débutants, avec des questions simples et des réponses simples, ensuite il y a des catéchismes plus développés, avec des argumentations, des preuves, des références historiques, littéraires, etc. Et une fois qu'on a étudié le catéchisme, alors le mieux c'est d'ailleurs d'étudier le catéchisme avec un prêtre, dans un cours de catéchisme, parce que justement le Christ n'a rien écrit, il est venu enseigner, donc c'est d'abord dans une dimension orale, la transmission se fait d'abord par l'oralité. Et une fois qu'on a une connaissance de base du catholicisme, de la foi de l'Église,
c'est-à-dire que de la foi transmise par l'Église depuis Jésus-Christ, eh bien, alors là, on peut effectivement lire des passages de la Sainte Écriture, en commençant par l'Évangile, qui est la vie du Christ, l'Évangile, les actes des apôtres, qui sont les actes, la vie des apôtres juste après la mort du Christ, les lettres de Saint Paul, et une fois qu'on a une maîtrise d'une connaissance, en tout cas du Nouveau Testament, alors on peut lire des passages de l'Ancien Testament. Voilà, il n'y a pas de nécessité. Enfin, il ne faut surtout pas se dire, je vais lire toute la Bible du début à la fin, parce que, franchement, c'est personne ne le fait, personne ne le fera. Enfin, sauf des séminaristes. Moi, je l'ai fait au séminaire. On devait lire chaque jour un passage pour être sûr d'avoir lu toute la Bible, etc. Mais, je t'avoue qu'il y a des jours où c'était assez pénible. Nous arrivons à la fin de cet entretien. J'aimerais que vous ayez quelques mots. Qu'est-ce que vous diriez justement à tous ceux qui hésitent encore à passer le pas d'aller voir un prêtre, qui ne se sentent pas encore légitimes à assister à une messe? Quel conseil donneriez-vous à cette génération justement qui se pose de plus en plus de questions sur cela? Bien, la couverture de mon livre là, on a choisi de mettre cette phrase qui est une phrase de la conclusion qui dit « Vous ne serez plus jamais seul ». Et je pense que c'est ça que je leur dirais, justement. Parce que celui qui fait la démarche de la foi, qui est une démarche, encore une fois, intérieure, évidemment, individuelle, personnelle, il ne sera plus jamais seul pour plusieurs raisons. D'abord parce que avoir Dieu pour ami, c'est la plus belle des choses qui puisse exister pour un homme. Pour un être humain, quand je dis un homme, c'est évidemment aussi bien, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, même si c'est au dernier moment de sa vie, on peut évidemment se tourner vers Dieu, parce que nous sommes faits pour Dieu, l'homme est fait pour Dieu. Donc cette amitié avec Dieu, elle est ce qui comble le plus le cœur de l'homme. Et celui qui n'a pas la foi, en fait, se condamne au malheur. Alors il va s'auto-justifier en disant « je n'ai pas besoin de ça, ce sont des croyances, des aliénations, etc. » Mais c'est complètement faux. Le jour, je parlais avec un jeune justement qui s'est converti il y a quelques années et qui avait été communiste, anarchiste, il était black bloc, etc. Non, il avait fait des manifestations, enfin des trucs de dingue. Et il me disait « quand je regarde ce que j'étais il y a 2 ou 3 ans, je me demande comment je faisais pour vivre. » Parce qu'il disait, aujourd'hui, ma vie a un sens. Je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je dois faire, je sais où je vais, je sais pourquoi j'ai été créé pour quelque chose. Alors évidemment, je ne suis pas forcément fidèle tous les jours, c'est un travail, c'est long et c'est un effort quotidien, etc. Parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est meilleur que les autres, par principe. Voilà. Mais au moins, on sait où on va. Et ça change tout. Plutôt qu'être juste un élément qui déambule comme ça, qui va à droite, à gauche, sans savoir où il va, qui se livre à des combats qui le dépassent et qui n'ont d'ailleurs aucun sens, parce qu'en fait, si la vie n'a pas de sens, pourquoi se battre contre les autres, pourquoi essayer d'obtenir quelque chose, pourquoi défendre, je disais tout à l'heure, pourquoi défendre la Terre et l'écologie si le monde n'a pas de sens et qu'en fait, tout va disparaître demain et va s'évanouir et que l'homme n'a pas de destinée éternelle. Donc, voilà, je dirais, découvrez, faites le pari, faites confiance à Dieu. L'amour, c'est confiance. Quand on dit que Dieu est amour, c'est exactement ça. C'est pas du tout mièvre, c'est pas du tout les bisounours en disant que Jésus t'aime, ça m'énerve. L'amour de Dieu, c'est un amour qui est exigeant, c'est un amour qui est radical et qui change tout, qui change l'humanité, qui change chacun, le cœur de chacun. Donc, on n'est pas seul quand on est chrétien, parce que on comprend, on a un Père d'ailleurs, qui nous guide, les pères de la terre sont imparfaits. Il y en a même qui n'ont pas de père, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un père ou un bon père. Eh bien, Dieu, c'est le Père parfait qui nous enseigne, qui nous guide, qui nous éduque, qui nous mène par la main jusqu'à notre finalité. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on n'est plus jamais seul? Parce que, justement, pour l'aspect social, culturel, qui est la conséquence du christianisme. C'est qu'aujourd'hui, il y a une foule de jeunes qui sont en recherche de la foi, et moi, je suis persuadé, je me lance un peu dans la prophétie, là, mais je suis persuadé que ce n'est pas du tout anecdotique. Ça fait 15 ans que je suis prêtre. Pendant les 13 premières années de mon sacerdoce, lorsque je rencontrais un jeune
qui me disait qu'il voulait se convertir et qu'il voulait aller à la messe ou être baptisé, etc. Je me disais, mais c'est un miracle, quoi. Il faut le mettre sous verre, il faut s'en occuper, on met toutes les forces comme ça pour, et on met un prêtre qui s'en occupe à 100% pour, voilà, pour pas rater le poisson, quoi. Aujourd'hui, c'est 3 fois par jour, je reçois des messages de jeunes qui me disent, je veux me convertir, je veux être baptisé, etc. Donc, il y a un véritable mouvement, et voilà, au début, je me suis dit, c'est un peu anecdotique, ça va s'amenuiser, mais pas du tout. Au contraire, c'est de plus en plus, et il y a d'autres prêtres qui font exactement les mêmes expériences, et dans les paroisses, c'est le cas. Donc, il y a un véritable retour de la jeunesse vers la foi, vers la pratique religieuse. Et donc, un jeune qui se pose des questions, dans ce moment, il ne faut pas qu'il se dise qu'il est tout seul, mais au contraire, qu'il y a beaucoup de gens comme lui, voilà, il faut qu'il fasse le pas pour rencontrer d'autres jeunes comme lui qui se posent des questions et pour trouver des réponses à ces questions. Donc voilà, ce livre, c'est un appel à ne pas rester seul dans son coin, mais à participer à la reconstruction, non seulement de la foi, de l'Église, d'une vitalité de la foi chrétienne en France, mais aussi à participer à la reconstruction de la France chrétienne et donc de la civilisation dont nous sommes les héritiers. Et il y a quelque chose à faire, nous sommes des héritiers, il suffit de pas grand-chose pour que la France et l'Occident tout entier retrouvent cette grandeur qui a été la sienne pendant des siècles. Merci, monsieur l'abbé. Merci d'avoir répondu à nos nombreuses questions. Je rappelle que ce livre qui s'appelle « Le plus grand des combats » sortira ce dimanche 3 décembre. Il sera disponible sur la plateforme www.plusgrandcombat.com. Vous pouvez le retrouver. Ce livre dont on a pu parler, qui se présente sous cette forme d'entretien et qui, je pense, que nous recommandons, nous, la rédaction de Livre Noir, à toute notre génération. Avant de terminer cet entretien, j'ai également le plaisir, moi aussi, de rappeler que nous sortons notre magazine le 8 décembre, notre magazine « Une terre, deux peuples, vers la guerre civile en France », qui est le fruit également d'un long travail de toute la rédaction dans lequel nous avons pu nous rendre à Marseille, à Roubaix, à travers l'Europe, pour justement nous questionner sur les possibilités d'une guerre civile en France. C'est un travail que nous avons réalisé également avec des témoignages de personnes du renseignement, donc travail aussi de prospective sur où va la France. Donc voilà, c'est un long travail et nous avons besoin maintenant de votre soutien, donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre plateforme www.livrenoir.fr pour nous soutenir, pour acheter notre magazine ou prendre un abonnement annuel. Merci à tous ceux qui nous soutiendront. Merci, monsieur l'abbé, d'être venu. Merci à vous. Livre noir. Oui, ce sera Livre noir. Quel meilleur nom que celui-ci, si proche de ce qu'étaient nos ambitions, celle de contribuer à la vie politique et médiatique du pays, celle de traiter des sujets dont personne ne parle ou dont on ne parle qu'en écumant les mêmes mensonges au service des mêmes soumissions. Aujourd'hui, Livre noir est là. Nous occupons le terrain, les réseaux sociaux, les kiosques et les plateaux. Et demain, grâce à vous, nous demeurerons. Sur Livre noir, nous vous dirons toujours ce que nous avons vu. À vous de voir ce que vous voyez.